Vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo coloriage. Je vais faire un coloriage dans le livre Fantasy Art Adventure de Jasmine Beckett Griffiths. C'est quelque chose qu'on m'a demandé en commentaire si je pouvais faire une vidéo coloriage dans ce livre. Ça va me faire plaisir de faire cette vidéo. Par contre, ça va être un vrai défi parce que si je suis habituée avec les Annalines, je ne suis absolument pas habituée avec les Jasmine Beckett Griffiths, que je trouve magnifiques, hein, mais c'est pas ceux que je suis habituée à colorier. Donc, je vais utiliser mes Prismacolor premiers. Et on va commencer. Ce ne sera pas facile parce qu'il n'y a pas énormément de détails comme pour l'eau ici. Et ici, c'est le sable. Mais bon, on va essayer d'y arriver. Pourquoi j'ai déjà du pigment sur mon dessin et j'ai même pas commencé à colorier? Bon, peu importe. Donc, j'ai choisi Captain Molly Morgan. C'est un des coloriages qui a le moins de détails. Donc, je me suis dit que ça irait peut-être un peu assez vite, en fait. Et on va commencer par le ciel qui est rempli de nuages. Et, bon, comment je vais m'y prendre? Je n'ai pas encore décidé. Okay. Je suis toujours pas décidée comment je vais commencer, mais je pense que le mieux, c'est de se lancer. Donc, pour commencer, je vais prendre mon bleu nuage 1023. Et j'ai mon petit papier ici. Et je suis trop loin. Donc, je vais vous rapprocher. Ce que je vais faire très rapidement, c'est que je vais faire une fine couche de mon bleu nuage sur tous les nuages, justement. Donc, mon papier est là. Donc, je fais une fine couche. Je pense que je vais me concentrer sur une section pour commencer. Donc, on va faire la partie à gauche. Oui, on va faire ça. Je sors complètement de ma zone de confort avec ce coloriage. J'ai déjà colorié, je vous avais montré, j'avais déjà testé dans un de ses livres, je pense que c'était dans le Halloween, j'avais voulu faire la fille qui était dans les marais et j'avais totalement raté ce que je voulais faire. Donc depuis... Depuis ce fiasco, en fait. vous m'avez dit que vous l'aimez, mais moi, je sais pas du tout ce que je voulais. Et en fait, je suis loin d'avoir eu le résultat escompté. Donc, j'ai pas retourné dans les livres de Jasmine Beckett Griffiths depuis ce temps-là. Mais c'est vrai que ses dessins sont magnifiques. Ok, maintenant, je vais prendre le 1079 Lac. C'est quoi? Lac bleu-violet. Et avec le bleu-violet, je vais... Attendez, je réfléchis, je suis désolée. Je vais ajouter une petite couche fine. Mais j'irai pas jusque sur le bord de mon nuage. Est-ce que je suis dans l'écran? Oui. Aujourd'hui, nous sommes le 6 mai. Et pour une fois, enfin, on a une super...
super belle journée. Vraiment super belle journée. J'avais hâte. Franchement, j'avais très hâte. On annonce 21 degrés pour aujourd'hui. Non, on le voit pas si je le mets là. Aïe, aïe, aïe. La neige est presque toute fondue. Il en reste encore un peu, mais de la neige qui est tout le temps à l'ombre, là. Ça va être un peu plus long à fondre. Mais sinon, waouh, magnifique journée. Il faut que j'en profite parce que il annonce que ça va redescendre cette semaine. On va passer d'un beau 21 aujourd'hui à du 8 ou 9, je pense. Ou peut-être 10. 10 ou 11 max, quelque chose de même. Donc, j'ai hâte que les belles journées s'installent pour de bon. J'appuie pas super fort sur mon crayon. Désolée de l'interruption. On continue. Je suis dans l'écran, oui. Ok, maintenant on va prendre un petit peu plus foncé. Je prends mon 936 gris ardoise. Je l'utilise. Ça, c'est une couleur que j'adore. Ce gris bleu-là, là, j'adore cette couleur-là. Encore une fois, on va aller. Okay. Je vais rajouter une autre couche. J'irai pas aussi loin qu'avec ma deuxième couleur.
fait, quand je suis dans sur le bord d'un autre nuage, j'appuie un peu plus fortement. Et comme j'approche du rebord du nuage, je vais alléger un peu la pression. Je veux un gros ciel nuageux, des gros nuages menaçants. C'est mon but. Pas sûr qu'on va y arriver, mais c'est mon but. On va essayer, au moins. À certains endroits, on peut appuyer un peu plus et à d'autres, alléger la pression parce que de toute façon, les nuages sont toujours très texturés. Donc, ça va juste donner la texture à vos nuages. Ouais, c'est pas pire ça. Où je vais le mettre ce papier? Non, non, non. Oui, ici. J'ai pas mis de carton en dessous. J'avais oublié de mettre un carton juste sur la page d'en dessous pour pas que. Je mets toujours un carton. Désolée, j'avais oublié. C'est vrai que celui-là, c'est pas un livre avec des dessins de chaque côté de la page, mais quand même. J'espère que nos nuages vont être jolis. On a aujourd'hui, je suis allée au pet shop pour acheter un double de le jouet préféré de Ruby. Parce que son jouet préféré, c'est la cloche que vous l'entendez sonner toute la journée. C'est une cloche avec des petits. Sous la cloche, il y a deux petites chaînes avec deux petites boules. C'est sa cloche, c'est son jouet préféré. Donc, je me suis dit. Je vais aller au pet shop puis je vais en acheter une autre ou deux au cas où celle-là briserait ou avec le temps l'usure et tout. Mais j'en ai pas retrouvé. J'en ai pas retrouvé, malheureusement. J'aurais dû en acheter. Mais c'est vrai que quand tu l'achètes pour la première fois, on ne sait pas si elle va l'aimer, mais j'aurais dû, quand je me suis rendu compte qu'elle aimait beaucoup ce jouet-là, j'aurais dû y en acheter un autre. Mais bon. Ah, zut, 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 c'est déjà ma batterie qui finit. Zut, zut. Je veux faire le ciel au complet aujourd'hui dans cette vidéo. Je vais peut-être devoir recharger ma batterie avant de finir.
souligne plus fortement le contour des autres nuages. Pendant que je charge ma caméra, je vais faire le côté droit des nuages aussi. Ça tombe bien qu'on m'ait demandé de faire une vidéo dans ce livre-là parce que je savais pas du tout quel coloriage faire ensuite. Ça, c'est quelque chose qui m'énerve. Je cherche toujours quel coloriage faire en vidéo. Il y en a tout plein qui me tentent. Mais je sais pas, j'essaie d'en trouver qui ne seront pas trop longs. Maintenant, pour la quatrième couleur, j'ai pris le 1060, mais je pense que... Non, je pense que ça ira pas du tout. Je vais prendre à la place le 1063. Donc, j'ai le 1063 gris froid et ce que je vais faire, c'est que je vais repasser encore une couche de plus pour qu'il soit vraiment gris les nuages. Avec celle-là, j'appuie moyennement. Et encore une fois, je ne vais pas aussi loin qu'avec la précédente couleur. Et là, j'hésite à savoir avec quoi je vais repasser fermement sur toutes les couleurs. Est-ce que je repasse fermement avec mon bleu le plus clair? Ou... Ouais, peut-être que je pourrais faire ça. On va tester un petit endroit et on verra bien ce que ça nous donne. Le papier n'est plus dans l'écran. Laissez-moi prendre mon plus clair et voir ce que ça nous donne si j'appuie. On va essayer sur le petit nuage ici. Qu'est-ce que ça nous donnerait si je repassais avec lui en appuyant plus fortement? Est-ce que c'est mieux ça ou le blender? Peut-être qu'après on repassera avec le blender de toute façon. On va voir ce que ça nous donne. J'ai mon blender.
Laissez-moi regarder une minute. Voir si ça nous donne mon pinceau. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Au pire, on pourra refaire des petites retouches plus tard. Donc, avec mon bleu 1023 bleu nuage, je vais repasser sur toute ma surface de nuage, en fait. En appuyant fermement cette fois. Assez fermement, pas complètement fort. Qu'on puisse ensuite passer le blender. Je me demande si ça va faire assez foncé comme je le voulais, des gros nuages menaçants. Peut-être que j'aurais dû prendre un gris encore plus foncé, mais je sais pas, j'ai un peu peur que ça soit trop en fait. Je vais faire ça et on va voir ce que ça nous donne ensuite. On va sûrement repasser avec nos autres couleurs pour ajouter un peu de définition, si on veut, ou de texture. C'est toujours dans l'écran, oui. J'ai presque plus de batterie, ça m'énerve. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon deuxième bleu. Je trouve qu'on ne le voit pas assez. Vraiment pas. Donc, je vais ajouter des touches de mon bleu. 1079, lac bleu violet. Et je vais prendre ensuite mon 936 ardoise. Juste en rajouter un peu. Et maintenant, je vais prendre mon blender et je vais remélanger les touches que j'ai ajoutées. Où je suis rendue, je suis désolée. Donc, j'en étais rendue, j'ai amélioré ces nuages-là ici. Je les trouve mieux. Et j'étais rendue à passer mon bleu sur toute la surface.
Ensuite, je vais prendre mon blender et je vais tout mélanger. Ça me semble pas mal. Ça me semble pas mal du tout. Je vous recule. Voilà ce qu'on a pour l'instant. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça me semble pas mal du tout. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais charger ma caméra et je vais faire l'autre côté des nuages et je vous reviens après. Donc, voilà ce que ça nous donne pour l'instant. Je vous rapproche. Donc, c'est ce qu'on a pour le ciel. Et je vais quand même avoir le temps de finir le ciel derrière. Donc, derrière les gros nuages menaçants, on a un beau ciel bleu clair. Et j'ai choisi le 904 bleu céruléen clair. Donc, je vais tout de suite y aller. Je pense que je vais faire un mélange de deux bleus pour le ciel. Pour les nuages, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est à peu près ce que je voulais comme résultat. J'aurais voulu peut-être un peu plus menaçant, mais j'osais pas mettre du gris trop foncé. Bon, je suis peut-être loin, hein? Ça va, Rébi? Elle est trop drôle. On lui a donné un morceau d'orange. Elle y parle, mais elle y goûte pas pour l'instant. Elle y fait des grandes conversations. J'ai essayé aussi de donner une fraise l'autre jour. Elle n'en veut pas non plus. Raisin, elle y a à peine touché. Je sais pas. Si vous avez des oiseaux et que vous avez des astuces pour encourager les oiseaux à manger des fruits, dites-moi là en commentaire. Coochie coochie. Que je fasse un bleu différent pour l'eau. Je vais peut-être faire l'eau un bleu plus foncé, étant donné qu'il y a des gros nuages. Je sais pas, je suis pas encore décidée. Repasser pour que ce soit un peu plus foncé en fait.
Et là, j'avais dans l'idée de prendre mon 1087 bleu poudre pour passer par-dessus, mais je vais essayer un tout petit coin ici, voir. Non. Je crois que non. Attendez, je vais l'aiguiser quand même. Je crois que ça fait pas assez... Non, ça fait pas assez bleu à mon goût, en fait. Donc, on va laisser tomber celui-là. Je vais enlever un peu. Et... je vais reprendre mon bleu. Je vais appuyer un peu plus en fait. Je vais juste repasser une couche supplémentaire. Je trouve que le bleu clair le pâlit trop notre bleu ciel. Beau bébé. Ah, mais peut-être qu'avec la deuxième, avec cette couche-là, ça serait bien. Tester, voir. On va tester ici. Est-ce que j'aime mieux ça ou avec le blender? Non, je crois que j'aime mieux avec le crayon. Donc, je vais me faire un papier. D'accord. Cette fois, je prends le 1087 bleu poudre et je repasse. Ouais, c'est bien. C'est très, très bien. Et ensuite, on va terminer la vidéo là. Voilà, je vais faire le petit coin ici et je vous reviens. Ok, voilà ce que ça nous donne pour l'instant. Pour les nuages, peut-être qu'à la fin du coloriage, peut-être, je vais venir rajouter un petit peu plus foncé. Pardon, mais non, ma puce, j'ai fait peur à ma chatte, excusez. Peut-être que je vais venir ajouter un petit peu plus foncé dans les nuages, mais ça, je ne suis pas encore décidée. Et si je le fais, ce sera plus tard dans le dessin. Donc, pour l'instant, je suis bien satisfaite du résultat. Je trouve ça pas mal.
Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo. C'est ma petite récompense. Ça me fait immensément plaisir. Et pourquoi pas la partager, ça m'aide énormément. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.